cadre de sa permanence d'élu. Elle va nous rejoindre si elle le peut. Jean-René Desmonts. Présent. Corinne Lejeune. Présent. Vincent Auton. Présent. Caroline Verrague. Paulette Duval. Présent. Monique Greffé. Présent. Henri Ojard. Présent. Nathalie Cotron. Présent. Laurent Delanoë. Présent. Thierry Eustache. Présent. Rémi Lebrasseur. Présent. Karine Lanier. Présent. Frédéric Ménil. Sandrine Elie-Romain, pouvoir à Nathalie Cotron. Thibaut de Jaeger, pouvoir à Monsieur Auton. Vicky Bagnier. Morgane Voisin. Antoine Avard. Hervé Sel. Maïwan Léger. Elle va nous rejoindre, peut-être absente. Clotilde Walter. Sylvie Grandin. Absente. Pouvoir Madame Walter, pardon. Christophe Colomer. Émilien Jean. Angélique Avard. Valérie Burel. Angélique Périgny. Bernard Aubry, pouvoir à Monsieur Mercier. Paul Mercier. Voilà, le quorum est atteint. Je vous propose de commencer notre séance. J'ai pas appelé Florian. Ah, mais j'avais un doute. Monsieur le rapporteur, merci. Excusez-moi, cher Florian Lépine. Ça commence et c'est déjà rock'n'roll. Florian, pour la petite histoire, je le dis et je salue tous les spectateurs qui sont en live, peut-être, derrière leur téléphone. Florian est un fan de rock et plutôt de hard rock. Voilà, le quorum est atteint. Je vous propose de commencer notre séance. Et conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance et je vous propose qu'il s'agisse de Frédéric Ménil. Y a-t-il des oppositions? Frédéric Ménil est donc notre secrétaire de séance. Voilà, mes chers collègues, nous entamons ce 7e conseil municipal du début de notre mandature. Preuve, si besoin en était, de la densité de notre tâche. C'est également, en ce 14 décembre, le dernier conseil municipal de 2020. Cette année 2020 restera marquée par la crise sanitaire qui s'est installée dans notre pays à la fin de l'hiver dernier et qui, depuis, perturbe très fortement le cours normal de nos vies. Nous l'avons compris, cette épidémie est faite de pics et de creux. Nous avons déjà connu deux pics en mars et en novembre. Sur 2020, la crise sanitaire a eu pour conséquence de fermer un certain nombre de commerces pendant 3 mois complets. Les bars et restaurants auront été fermés presque 5 mois et les discothèques 9 mois et demi. Un pays qui ne crée pas de richesse ne peut pas fonctionner dans la durée. Et je vous avoue que je suis très inquiet pour les conséquences économiques à moyen et long terme de cette crise. À Lisieux, depuis début juillet, nous avons fait tout notre possible pour être aux côtés des acteurs économiques impactés par les mesures de confinement. Nous avons exonéré les droits d'occupation du domaine public et nous allons d'ailleurs délibérer ce soir pour prolonger sur 2021 cette exonération. La plateforme L'Exoshopping a été élaborée par des colistiers de notre équipe, puis reprise en novembre par les services de la ville. C'est un outil qui est utile, apprécié par les commerçants car la prestation ne leur a pas été facturée, mais aussi par les clients qui ont pu retrouver une rue commerçante virtuelle. En novembre, avec Vincent Auton, nous avons multiplié les initiatives pour promouvoir l'activité commerciale l'exovienne. Dans le même état d'esprit, nous avions pris le risque, un peu contre vents et marées, de maintenir les marchés de Noël. Bien nous en a pris, car le marché de Noël du centre-ville vient de se dérouler sur 4 jours, à la satisfaction de tous, y compris des vendeurs de parapluies. Et nos collaborateurs nous disaient que nous avions eu plus de 12 000 visiteurs sur ces 4 jours au marché de Noël. Le week-end prochain, c'est au premier centre commercial à Hauteville que le cœur de Lisieux battra avec l'organisation d'un premier marché de Noël. Toutefois, pour le mois de janvier 2021, nous sommes contraints d'annuler la cérémonie des vœux. Je crois d'ailleurs que nous n'aurons pas le droit d'en organiser. En ce qui concerne le repas des aînés, nous le décalons au mois de mai. Et nous aviserons au printemps sur les conditions de son organisation. Pour la ville, la crise sanitaire 2020 aura eu des conséquences financières. Nous les constaterons lors du compte administratif.
Des dépenses non prévues ont été engagées, masques, équipements de protection. D'autres dépenses qui avaient été prévues n'ont pas eu lieu. Les animations du premier semestre, notamment, qui avaient été annulées. Des recettes prévues n'ont pas été encaissées. Stationnement non payant pendant 6 mois, cantine fermée pendant 2 mois. La préparation du budget 2021 va donc se faire sous le signe de la vigilance, mais aussi de la volonté d'accompagner au mieux tout ce qui se fait, tout ce qui fait la vie de Lisieux. Nous aborderons ceci lors du débat d'orientation budgétaire le 8 février prochain. Mais je peux déjà vous dire la volonté qui est la nôtre de maintenir la même enveloppe consacrée aux subventions aux associations. L'équipe Lisieux Ensemble considère que ce serait un très mauvais signal que de diminuer l'enveloppe de ces subventions alors que nos associations sont déjà fragilisées par l'ensemble des mesures réglementaires qui ont perturbé leur fonctionnement. Dans cette perspective, Corinne Lejeune, adjointe à la vie associative, nous proposera ce soir une délibération pour verser dès le premier trimestre un acompte sur la subvention aux associations lexoviennes. Avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaite m'arrêter sur des délibérations que nous examinerons ce soir. Tout d'abord, Jean-René Desmonts, maire adjoint en charge de l'urbanisme, présentera une délibération ayant trait au dossier de la rue du Héron. Ce sujet a débuté il y a un an, de manière visible, avec l'effondrement d'une berge sur le Sirieux, puis avec l'apparition d'un certain nombre de désordres aux alentours. Les expertises ont été longues à mener et nous avons décidé d'engager les travaux sans attendre. Nous devons acquérir une habitation qui est aujourd'hui inutilisable. Nous aurons sans doute à en acquérir une seconde à proximité. Lisieux est une ville d'eau avec des atouts et aussi des inconvénients. Nous avons entrepris, avec nos partenaires, de traiter l'ensemble de ces sujets d'inondation ou d'affaissement de berges. Certes, ce ne sont pas des projets qui sont très attrayants, mais cela participe à la qualité de vie à Lisieux. La seconde délibération que je souhaite aborder concerne elle aussi l'eau, mais d'un point de vue comptable. Depuis le 1er janvier 2020, la compétence eau est exercée par la communauté d'agglomération. C'est une politique publique importante qui a longtemps été municipale pour la partie eau potable. Les enjeux demeurent, et d'ailleurs je remercie Laurent Delanoë d'avoir mis sur la table le sujet des unités de décarbonatation de l'eau, des investissements que le délégataire de la ville devait aux Lexoviens. C'est désormais le délégataire de l'agglomération, mais l'attente est toujours la même. Dans la délibération de ce soir, je vous propose de transférer les excédents de fonctionnement et d'investissement du budget eau à la communauté d'agglomération. Nous n'en sommes pas obligés, c'est un geste que je vous propose de faire en direction de l'agglomération, à l'instar des autres communes qui vont faire de même. Cela nous permettra d'être exigeants avec l'agglomération en termes d'investissement nécessaire sur la ville de Lisieux. Voilà, mes chers collègues, les quelques sujets que je souhaitais aborder en propos introductifs. Arrivé à la mi-décembre, il est désormais possible de formuler des vœux. J'en exposerai 3 ce soir. Le premier, qu'en 2021, chaque Lexovien soit fier de sa ville, des projets qui s'y construisent, de la solidarité qui s'y réalise et des animations qui créent du lien social. Le deuxième, que 2021 soit l'année où la communauté d'agglomération prenne enfin le chemin d'une gestion rigoureuse, afin que la promesse de réunir l'ensemble des intercommunalités du Sud-Pays d'Auge ne se transforme pas en dérapage incontrôlé et douloureux pour les 53 communes et 75 000 habitants du territoire. Le troisième, que l'ambiance de travail qui règne depuis bientôt 6 mois autour de cette table du Conseil municipal perdure, dans l'implication de chacun, dans l'intelligence de travail que nous avons également su construire avec les groupes de Clotilde Walter et Angélique Périgny. Les Lexoviens nous ont confié la responsabilité de travailler à leur avenir. Poursuivons ainsi ensemble pour notre ville. Pour conclure, je souhaite remercier l'ensemble du personnel de la ville et du CCAS pour son implication. Les élus fixe les orientations, donne des perspectives, mais c'est l'investissement de nos collaborateurs qui permet au projet de voir le jour et au service public de fonctionner. Et je dois dire qu'il a plutôt bien fonctionné, monsieur le DGS, depuis une quinzaine de jours. Les Lexoviens sont aperçus de l'implication de nos collaborateurs pour que vive Noël à Lisieux. Vous les remercierez en notre nom à tous. Je vous remercie de votre attention et nous allons commencer sans plus attendre. Je voudrais, et je ne l'ai pas fait en début de séance, mais je le fais maintenant, saluer Gilbert Le Guen, notre trésorier, qui nous a rejoint pour cette dernière séance de conseil et qui parlera, ce conseil qui parlera
de chiffres tout à l'heure. Voilà, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Nous devons, suite à la démission de Mme Karine Six, redéfinir notre commission. Ah non, c'est le rapport. J'ai dû sauter une ligne. Délibération. Règlement intérieur. Denis Fraquet. Voilà, je te passe la parole, Denis. Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales prévoit pour les communes de plus de 1000 habitants l'adoption d'un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Il est donc proposé au Conseil municipal d'examiner le projet de règlement intérieur que vous avez eu, qui reprend notamment certains articles du Code général des collectivités territoriales, afin de fixer les règles de fonctionnement de notre Assemblée. Nous avons reçu, après la commission, certains groupes avaient demandé la réflexion, donc nous avons reçu des observations du groupe Tous Lisieux, et également de Mme Perrini et de M. Mercier. Nous en avons tenu compte, et vous avez pu voir que dans le règlement intérieur, nous les avons modifiés. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Mme Walter? Oui, Monsieur le maire, je voulais tout simplement vous remercier parce que je pense que c'est la première fois que je vois se faire des modifications à un règlement intérieur après avoir concerté avec l'ensemble des membres du conseil municipal. Donc je tenais à le signaler. On a retrouvé toutes nos remarques en ce qui nous concerne et je pense que ça peut être la même chose pour notre groupe. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Walter. Monsieur Mercier. Merci. Oui, je confirme les propos de Mme Walter et je confirme que nous avons retrouvé nos remarques prises en compte. Donc, merci beaucoup. Je m'associe à ces propos. Merci, Monsieur Mercier. Denis. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-8, vu le projet de règlement intérieur du Conseil municipal s'y annexé, vu l'avis favorable de la commission susvisée, adopte le règlement intérieur du Conseil municipal s'y annexé. Autorise Monsieur le maire à signer le dit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la présente délibération. Bien, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous pouvez lever la main si vous en avez envie quand même. Voilà. Délibération suivante. Commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres de la ville de Lisieux a été désignée lors du conseil municipal du 27 juillet 2020 et habilitée en tant que commission dite de délégation de services publics. Sa composition a dû être modifiée avec la démission de Madame Karine Six. Et on vous propose... Et Monsieur Madeleine pour la CAO. Ah, c'est... Voilà. Eh bien, je vais lire la délibération en entier, comme ça va aller mieux. Par courrier adressé à Monsieur le maire, Monsieur Jean-Michel Madeleine, conseiller municipal, a démissionné de son mandat de conseiller municipal. Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Lisieux a été informée de cette démission. Par courrier en date du 8 octobre, Madame Valérie Burel, suivante de la liste Toutes Lisieux avec Clotilde Walter, a accepté de devenir conseillère municipale par courrier en date du 13 octobre 2020, reçue le 15 octobre 2020 et a été installée lors du conseil municipal du 16 novembre. La démission d'un membre de la commission d'appel d'offres nécessite de mettre à jour la composition de cette instance. Ainsi, j'ai reçu l'ensemble des démissions des membres titulaires et des suppléants. Vous allez être invité à procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Conformément
aux dispositions du CGCT, notamment son article L1411-5, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. L'élection s'effectue au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Voilà, je suis sur les rallyes. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions. Je vais vous proposer une représentativité. J'ai proposé aux deux listes d'être représentées pour cette élection à la commission d'appel d'offres. Y a-t-il néanmoins d'autres candidatures ? Je vais vous lire le nom des membres. Membre titulaire, M. Thierry Eustache, Mme Sandrine Elie-Romain, Mme Corinne Lecourt, M. Florian Lépine, Mme Valérie Burel. Les membres suppléants sont Mme Nathalie Cotron, Mme Vicky Bagné, Mme Caroline Vérag, Mme Paulette Duval et M. Paul Mercier. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Alors, on va vous déposer un bulletin de vote. Et ensuite, l'urne passera devant chacun d'entre vous et je demanderai aux deux plus jeunes du conseil municipal, que sont Antoine Navarre et Angélique Avard, de bien vouloir procéder au dépouillement. Nous allons procéder au scrutin. Commencez ici. Vous avez tourné dans le même sens que les bulletins. Je vous rappelle que les titulaires d'un pouvoir doivent voter deux fois. Les pouvoirs ont-ils bien eu deux enveloppes et deux bulletins ? Antoine et Angélique, s'il vous plaît.
Liste complète. 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 Et liste complète. Bien. Bulletin trouvé dans l'urne 34, pas de bulletin blanc, suffrage exprimé 34, liste 1, 34 voix.
Donc sont élus membres titulaires M. Thierry Eustache, Mme Sandrine Elie-Romain, Mme Corinne Lecourt, M. Florian Lépine, Mme Valérie Burel. Les membres suppléants sont Mme Nathalie Cotron, Mme Vicky Bagnier, Mme Caroline Vérag, Mme Paulette Duval et M. Paul Mercier. Voilà, délibération suivante. Commission consultative des services publics locaux. Donc la commission consultative des services publics locaux de la ville de Lisieux a été désignée lors du conseil municipal du 27 janvier 2020. Sa composition est la suivante. 5 représentants de l'Assemblée délibérante, Mme Sandrine Elie-Romain, M. Antoine Avard, Mme Karine Six, M. Paul Mercier, M. Émilien Jean et 2 représentants d'associations locales, Mme Karine Six ayant démissionné, Mme Maïwenn Léger, suivante de la liste Lisieux Ensemble, a accepté de devenir conseillère municipale, comme Mme Burel le 16 novembre dernier. À cet effet, Mme Léger a fait part de son souhait de siéger dans les commissions où siégeait Mme Sixte, et notamment la commission consultative des services publics locaux. Voilà, la démission d'un membre de la commission consultative des services publics locaux nécessite de mettre à jour la composition de cette instance. Ainsi, j'ai reçu la démission de l'ensemble des membres titulaires, et vous allez être invité à procéder à l'élection des membres de la commission consultative des services publics locaux. Je dois d'abord vous demander si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous souhaite un vote à bulletin secret. Non. Personne. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc je vous propose une liste qui est représentative des 3 composantes de notre conseil municipal, à savoir donc titulaire. Madame Sandrine Elie-Romain, Monsieur Antoine Avard, Madame Maïwenn Léger, Monsieur Paul Mercier et Monsieur Émilien Jean. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Pas d'autres candidatures. Je vais mettre cette liste aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Et je répète les titulaires. Il n'y a pas de suppléant. Donc les membres de la commission, Madame Elie-Romain, M. Avard, Madame Léger, M. Mercier et M. Jean. Et je donne tout de suite la parole à Madame Vicky Bagnier qui va nous proposer la délibération 123. Madame Bagnier. Oui, bonsoir à tous. Donc, afin d'assurer une animation phare durant les vacances d'hiver, un projet d'installation d'une patinoire provisoire est prévu dans la ville de Lisieux pour les années 2021 à 2024 incluses. Cette activité visera à faire découvrir aux habitants de la ville de Lisieux et de sa région la pratique du patinage sur glace. Elle offrira à la ville un accroissement de l'attrait touristique durant une période de faible activité, ainsi que la valorisation de son image dans l'ensemble du bassin de vie du Pays d'Auge. Cette patinoire se tiendra à place François Mitterrand durant les vacances scolaires de février. Afin de trouver un prestataire assurant la location et la gestion de cette structure, une consultation a été organisée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. À cet effet, un dossier de consultation a été préparé, comportant notamment le règlement de la consultation, l'acte d'engagement et ses annexes, y compris la décomposition du prix global et forfaitaire, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières. Une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire, ex option, consistera en l'installation d'une seconde patinoire destinée aux enfants. Enfin, le prestataire aura obligation de réserver du temps de travail à une personne en insertion, cela afin de pouvoir l'accès à l'emploi des publics prioritaires. Le montant du marché est estimé à 240 000 euros hors taxes pour les 4 prochaines saisons, soit 60 000 euros hors taxes par an. Ce dossier a été soumis pour attribution à la commission d'appel d'offres du 26 novembre 2020. Vu le code général des collectivités... Attends, Vicky, juste une petite seconde. Pardon ? On a un petit temps d'échange avant, quand même. Ah oui, excusez-moi, monsieur le maire. Je comprends ton emballement. Mais...
Je suis très emballée. Ben, surtout sur un sujet comme celui-là. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un marché reconductible trois fois, donc pour une durée maximale de 4 ans, soit si la prestation est convenable, jusqu'en 2024. Vicky l'a dit, la patinoire s'installera pour une quinzaine de jours. Et il y a une prestation complémentaire par rapport à ce que les Lexoviens pouvaient connaître. Donc c'est une patinoire pour enfants qui sera juste en annexe de la patinoire principale. Voilà. Avez-vous des questions? Vous avez... Oui, monsieur Mercier. Merci. Plus un commentaire qu'une question. Je vous félicite d'avoir repris le dossier que nous avons préparé, y compris pour la patinoire pour enfants. Et juste rappeler que le dossier avait été initié il y a 12 ans par Patrick Buot. Merci, monsieur Mercier. Oui, la seule chose, c'est que vous la faisiez tous les 2 ans. Nous, on a décidé de la faire tous les ans. Et c'est pas parce que c'était bien qu'il faut pas le reconduire. Donc on a décidé à l'envie, en voyant l'envie des Lexoviens, de la reconduire tous les ans. Vous avez le prix. Vous pouvez baisser le bras, monsieur Mercier, j'ai vu, parce que si je vais vous donner la parole. Vous avez vu que le prix de la prestation complète est à 44 627 euros hors taxe, ce qui fait à peu près 52 000 euros TTC, Vicky le redira peut-être. Les prix de 2017 étaient de 55 000 euros, et 2019 de 56 000. Nous sommes à 52 000 avec une prestation complémentaire de 2 000 euros. Voilà. Monsieur Mercier, vous avez demandé la parole. Merci. Oui, juste pour préciser, effectivement, le mandat précédent, ça a été une fois tous les 2 ans parce qu'il a fallu mettre en place un plan d'économie pour passer le cap de la baisse des dotations d'État. Mais c'était transitoire et il avait été prévu, évidemment, que ça s'arrête en 2021. C'était de la baisse des dotations d'État de quelle année? Parce que là, je me souviens 2014. Pas. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc 2014 et... Vous étiez en plan d'économie jusqu'en 2019, si j'ai bien compris. Et donc en 2020 aussi. En plan d'économie, oui, on l'avait programmé sur 6 ans pour avoir des marges de manœuvre dans le budget pour assumer le reste. Très bien. Vicky. Je reprends. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 à R2161-5, vu le budget de l'exercice en cours, vu le dossier de consultation relatif aux prestations de location précitées, vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 26 novembre 2020, vu l'avis favorable des commissions susvisées, approuve le recours à la procédure d'appel d'offres pour ce marché de prestations de services. Autorise Monsieur le maire à signer le marché décrit ci-dessus avec le titulaire Colors Production, 6 rue du Berlaymont, 6220 Fleurus en Belgique, comprenant son offre de base et sa prestation supplémentaire éventuelle. Montant de l'offre de base, 42 980 euros hors taxe. Montant de la prestation supplémentaire éventuelle, 1647 euros hors taxe, soit un montant total de 44 627 euros hors taxe. Merci Vicky. Je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Ce qui n'était pas précisé dans la délib, mais je vous le dis maintenant, c'est la petite surprise. Chaque groupe devra désigner un élu pour l'inauguration sur les patins. Voilà. Monsieur Mercier, bon courage. Si vous n'avez pas de chance au tirage au sort. Et on ne peut pas donner pouvoir. Ça vous laisse une chance de plus, monsieur Mercier. C'est la dernière de l'année. Un petit peu de détente dans des temps aussi difficiles. Délibération suivante à notre rapporteur général, monsieur Florian Lépine, sur le budget supplémentaire. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, ce soir, je dois vous présenter le budget supplémentaire de l'exercice 2020. Ça concerne 2 budgets. Dans un premier temps, on parlera du budget principal de la ville et dans un second temps, du budget annexe des pompes funèbres. Concernant le budget principal de la ville,
Le projet de budget supplémentaire 2020 s'élève, à savoir pour l'investissement, à hauteur de 11 825 000 euros en dépenses et en recettes, et en fonctionnement pour 4 821 000 en dépenses et en recettes. Ce document budgétaire permet d'inscrire au budget principal de la ville 5 points. Le premier, les résultats d'investissement et de fonctionnement à la date du 31-12-2019. Le deuxième, les reports de dépenses et de recettes en section d'investissement, c'est-à-dire la reprise des engagements de dépenses et de recettes qui n'a pas été exécutée en 2019. Le troisième point, des écritures techniques qui permettent à la ville d'étaler la charge de la crise sanitaire sur une durée de 5 ans. La loi rectificative des finances le permet. Le quatrième point, l'ajustement des crédits de dépenses afin de faire face à la crise sanitaire, de permettre des opérations et des actions nouvelles et l'avancement des projets engagés en 2020. Et le cinquième point, important, le résultat des sections d'investissement et de fonctionnement du budget annexe de l'eau suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2020, à savoir 243 000 euros en section investissement et 283 000 euros en section de fonctionnement. Concernant le budget annexe des pompes funèbres, le projet de budget supplémentaire 2020 s'élève à savoir en investissement à hauteur de 302 000 euros en dépenses et en recettes et en fonctionnement à 161 000 euros en dépenses et en recettes. Ce document budgétaire permet d'inscrire au budget annexe des pompes funèbres les résultats enregistrés à la date du 31-12-2019, soit 143 223,43 euros en section de fonctionnement et 145 963,70 centimes en section d'investissement. Les reports des dépenses en section d'investissement à hauteur de 29 455,80 euros, dont 21 780,80 euros pour l'acquisition d'un véhicule. En section de fonctionnement, des ajustements de crédit sont également enregistrés. En dépenses, une somme de 5 775 euros est inscrite au titre des frais pédagogiques liés au contrat d'apprentissage mis en place au sein de la régie municipale des pompes funèbres. Et en recettes, une somme de 18 234 euros est inscrite au titre du remboursement perçu dans le cadre du crédit impôt compétitivité des entreprises pour les exercices 2016 à 2018. J'ai dit, monsieur le maire. Merci, Florian. Je vais passer sans attendre la parole à monsieur Gilbert Le Guen s'il souhaite commenter ce budget supplémentaire. Ça y est, je crois qu'il est allumé. C'est la régie, je pense. Merci. Ils l'ont allumé. Un, deux. C'est bon. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Fraquet. Donc, effectivement, au niveau donc, de la ville de Lisieux, après 6 mois de mandat et une période donc difficile avec la crise sanitaire, vous avez en tout cas, je tiens à le dire, monsieur le maire, une situation financière au 31 décembre donc 2019 qui est saine, comme je l'avais dit au mois de juin, au moment du vote du compte administratif et du compte de gestion qui avait été voté donc début juin, avec un résultat de fonctionnement affecté de 10 437 118,51 euros l'an passé. Et il y avait donc des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 6 348 000 euros. Donc, tous les ans, exercice après exercice, la ville de Lisieux, bien évidemment, a une cave brute qui permet largement de rembourser le capital de la dette. Et comme je le dis à chaque fois, c'est la ligne la plus importante. C'est bien évidemment de pouvoir assurer année après année le remboursement donc, de la dette en capital. Deuxième chiffre important concernant donc, la dette de la commune au moment où la mandature commence pour le nouveau conseil municipal. De 2014 à 2020, la dette a diminué de 40% et elle se situe donc en euros par habitant à 370 euros au 1er janvier 2020 contre 786 au niveau départemental et 846 au niveau régional. Quant à la fiscalité, troisième point, la réforme donc de la TH arrive et pour la première fois en 2020, aucun taux donc n'a été voté. Et je rappelle que la somme qui sera versée à partir de 2021 sera donc la base 2020 multipliée par le taux de 2017. En ce qui concerne donc la ville de Lisieux, il était de 13,96%. Et le foncier bâti se situe à 28,96%. Donc la situation est effectivement saine.
Et vous disposez donc de marge de manœuvre donc, pour l'avenir. Vous avez beaucoup de projets qui permettront d'être donc réalisés tout en ayant un budget supplémentaire avec des crédits importants effectivement inscrits par rapport aux dépenses donc, du Covid. Deuxième autre point important, c'est bien évidemment le transfert donc, des résultats des budgets eau et assainissement. Vous l'avez dit, monsieur le maire, effectivement, comme toutes les autres communes, ce soir, vous prenez donc cette délibération qui transfère en totalité l'excédent de fonctionnement et d'investissement. Et le 3 décembre dernier, la délib a été prise de manière concomitante donc à la CA de Lisieux. C'était effectivement un sujet important, avec un nombre d'emprunts transférés globalement entre les 9 syndicats dissous et les budgets annexes des communes, qui s'élève quand même à 169 emprunts, qui se retrouvent donc sur le budget de la CA donc de Lisieux. Donc pour résumer, la CAF est donc satisfaisante au niveau de la commune et vous disposez donc de marge donc de manœuvre pour la mandature qui se présente à vous. Voilà, monsieur le maire, les éléments que je voulais dire au moment de la reprise donc des résultats qui exceptionnellement ont lieu à cette date tardive, qui bien sûr auront lieu plus tôt l'année prochaine en 2021. Merci monsieur Le Guen. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Madame Walter. Oui, monsieur le maire, je voulais tout simplement vous dire que nous allons voter ce budget supplémentaire. Ce n'est pas forcément l'habitude pour l'opposition de voter le budget, parce que le budget est le symbole de l'action qui est menée. Mais simplement, il y a la décision qui est prise et que vous nous proposez de marquer un geste de solidarité à l'égard de l'ensemble des communes de l'agglomération. Nous convient très bien et c'est à ce titre que nous allons voter ce budget supplémentaire. Merci Madame Walter. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Mercier. Merci, oui, je partage cet avis sur la solidarité intercommunale et dans la mesure aussi où toutes les autres communes font de même. Juste deux questions. Une qui concerne la partie subvention d'État. Je n'ai pas su repérer dans le document si l'État avait versé, si on avait tenu compte de la subvention de la DRAC pour les travaux de la cathédrale. Et puis une question par rapport au budget eau. Est-ce que le transfert de la compétence eau a un impact ou aura un impact, de votre point de vue, sur le tableau des effectifs? Alors, je vais vous répondre pour ce qui concerne la cathédrale. Comme vous le savez, la subvention, les travaux sont finis depuis 18 mois à peu près. La subvention n'avait pas été réclamée à la DRAC, donc on vient de la réclamer. Et nous devrions la toucher soit à la fin de décembre ou plutôt en janvier 2021. Donc elle n'est pas prise en compte dans les calculs là. Elle est de 145 000 euros de mémoire. Plus une participation pour la maîtrise d'ouvrage. Pour l'eau, je vais répondre. Donc, il n'y a pas de modification sur le tableau des effectifs pour l'eau. Oui, on s'est aperçu que pour la subvention DRAC et une subvention du conseil départemental, je crois, il y avait eu un oubli et on avait de mémoire 160 000 euros dehors. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, je vais vous demander de voter ce budget complémentaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Deux abstentions. Monsieur Mercier et son pouvoir. Monsieur Mercier, vous n'avez pas mis en phase vos paroles et vos actes. Vous aviez dit que vous voteriez le budget supplémentaire. Vous êtes abstenu, c'est une erreur ou on valide comme ça? Non, c'est parce que vous avez dit un oubli, mais vous avez oublié de préciser qui a oublié. Ben, c'est la municipalité précédente, j'imagine. On en reparlera. Donc vous maintenez votre vote? Très bien, c'était la question. Denis Fraquet, pour la délibération suivante, transfert des résultats de clôture et du bilan de la compétence eau, qui vient d'être évoqué, à la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Donc, comme nous venons d'en parler,
Donc le transfert de la compétence a donné lieu à la clôture du budget annexe communal, entraînant la réintégration de l'actif et du passif dans le budget principal de la commune et la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l'exercice du service, ainsi que les droits et obligations y afférents, notamment les emprunts au profit de la communauté d'agglomération. Donc le principe est simple. Nous proposons de transmettre le résultat de clôture 2019 pour la section de fonctionnement de 282 882,40 € et le résultat de clôture de l'exercice 2019 pour la section d'investissement de 243 437,55 €. Il est convenu entre la commune de Lisieux et la communauté d'agglomération que la commune réserve la totalité des excédents du budget. Reverse. Le transfert d'excédents doit donner lieu à la délibération concordante de l'établissement public de la coopération intercommunale et de la commune concernée. La communauté d'agglomération de Lisieux-Normandie a délibéré sur le transfert lors du conseil communautaire du 3 décembre 2020. Au vu de ces délibérations, les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires, qui sont des opérations réelles imputées au budget principal de la commune, seront alors les suivants. Transfert à la communauté d'agglomération de l'excédent de fonctionnement pour 282 882,40 €. Les crédits sont inscrits en dépenses de fonctionnement au budget de la collectivité, au compte 678, au budget supplémentaire de la ville que nous venons de voter. Transfert à la communauté d'agglomération de l'excédent d'investissement pour 243 437,55 €. Les crédits sont inscrits en dépenses d'investissement au compte 1068 au budget supplémentaire de la ville. Merci Denis. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Colomère, allez-y. Et après, monsieur Mercier. Juste un commentaire. Représentant la ville au sein de la commission de l'eau, je trouve que c'est une excellente décision. On a un vice-président, Eric Bouenard, qui est très investi. Avec qui on peut dialoguer, qui est très compétent aussi et qui veillera à l'intérêt de tout le territoire sur ce sujet extrêmement sensible pour notre avenir qu'est l'eau. Monsieur Mercier. Oui, donc c'est juste une question de forme. Ça, c'est ces transferts des résultats, c'est uniquement comptable ou c'est le transfert de compétences en même temps ? Monsieur Le Guen, pour Monsieur Mercier, je répondrai à Monsieur Colomère. Oui, Monsieur Mercier. Donc, depuis le 1er janvier donc 2020, la compétence a été transférée sur l'ensemble du territoire, la compétence eau et assainissement à la CA de Lisieux. Et on en a parlé à maintes reprises. Donc, pour toutes les communes et pour toutes les collectivités, ont dû prendre cette délibération. Elle est prise pour tout le monde exactement dans les mêmes termes, avec donc le résultat comptable qui est transféré. Donc les résultats sont transférés, hein, par contre les restes à recouvrer hein, des budgets annexes sont transférés au budget principal et restent dans la commune. Mais toutes les délibérations ont été prises exactement à l'identique et c'est le transfert des résultats comptables. Et c'était donc le souhait commun de l'ensemble des communes donc, du territoire, comme l'a dit M. le maire, et comme ça avait été dit aussi le 3 décembre donc, dernier. C'était une volonté de l'ensemble des élus du territoire. Donc c'est pour ça que vous retrouvez la totalité des deux excédents qui sont effectivement transférés à la CA de Lisieux avec les prévisions budgétaires, comme l'a dit tout à l'heure M. Lépine, qui sont inscrites donc au budget supplémentaire. Voilà. Merci M. Le Guen. Et donc tous les dossiers fonciers de la compétence eau sont traités par la comité d'agglomération. De quel dossier foncier parlez-vous ? Les différents achats de terrain pour la compétence eau. Oui, les achats et les ventes de terrain aussi, monsieur Mercier. Et les ventes, absolument. En cours. Et je peux effectivement préciser, monsieur le maire, qu'au niveau des restes à recouvrer, ça va pour rien si j'insiste là-dessus ce soir, il y a un ou deux contentieux, effectivement, au niveau des restes à recouvrer, à voir effectivement avec les sommes qui n'ont pas été réglées pour l'instant. Voilà. Et pour répondre à Monsieur Colomère, compétence va peut-être pour nous aller avec vigilance, parce qu'il va falloir que cette compétence eau transférée à la communauté d'agglo soit gérée au mieux
et au plus juste pour éviter des hausses du prix de l'eau qui nous arrivent déjà malheureusement. Voilà, et nous sommes 8 communes en ce mois de décembre à délibérer, en cette fin d'année, à délibérer pour le transfert de la compétence, mais aussi des budgets excédentaires ou des excédents de budget. Voilà, s'il n'y a plus de Madame Walter. Oui, je voulais, Monsieur le maire, rappeler sur ce point qu'effectivement, puisqu'on ne va pas exprimer notre vote, nous allons voter pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, au titre de la solidarité. C'est quand même un montant de 525 000 euros qui va être transféré à l'agglomération. Et deuxièmement, sur le point, sur la question du prix de l'eau, effectivement, il y aura cette vigilance. Je pense que Christophe Colomer, c'est en tout cas la position qu'il a exprimée au Conseil communautaire et que nous avons exprimé au Conseil communautaire pour la plupart d'entre nous par notre vote, puisque la plupart d'entre nous ont voté contre l'augmentation du prix de l'eau qui était proposée. Merci Madame Walter. Il était bon que ces précisions reviennent néanmoins au sein de ce Conseil municipal. Et je félicite Monsieur Colomer de son intervention en conseil d'agglomération qui a permis de lancer les débats un peu plus, de faire avancer un peu plus le débat, même si l'eau sera augmentée, de faire avancer un peu plus le débat en communauté d'agglo. Et en tout cas, comme nous le souhaitons, de le faire vivre. Je dois vous demander de voter. Non, ah, Denis, pardon. Oui, je vais quand même vous lire la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les délibérations 2020-30 du 2 juin 2020 approuvant le compte de gestion 2019 du receveur municipal, vu cette délibération 2020-31 du 2 juin 2020 approuvant le compte administratif 2019, vu l'avis favorable de la commission susvisée, décide de reverser le reversement des résultats de clôture, investissement et fonctionnement au profit de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, Monsieur Le Brasseur, pour des admissions en non-valeur. Merci, Monsieur le maire. Donc, délibération 2020-126, produits communaux irrecouvrables, admission en non-valeur numéro 1. Monsieur le trésorier municipal a établi la liste des produits communaux irrécouvrables malgré les poursuites réglementaires. Pour mémoire, ces sommes se répartissent en deux catégories. Les créances éteintes faisant suite à une décision judiciaire, les créances irrécouvrables proposées par le trésor public faute de poursuites supplémentaires. Il est demandé en conséquence l'admission en non-valeur d'une somme totale de 6 912,84 € se rapportant à deux budgets, celui de la ville, 4 688,86 €, dont 3 242,64 € de créances éteintes et des pompes funèbres pour 2 223,98 €. Concernant le budget de la ville, dans les créances admises en non-valeur sur les exercices 2016 à 2019, cela représente 1 446,22 €. Pour les créances éteintes, pour l'exercice 2014 à 2016 et 2018 à 2020, cela représente 3 242,64 €. Les montants totaux représentant pour les exercices 2014 à 2020, 4 688,86 €. Les créances éteintes concernent 7 foyers usagers des services à la famille, dont la cantine, le CLSH, et font suite à des décisions de justice imposant à la collectivité la fin des poursuites. La proposition d'admission en non-valeur concerne 22 débiteurs, dont 20 sont également usagers des services à la famille, et dont 2 en marge concernent les services terrasse et étalage et juridique, entre parenthèses, refacturation de sinistres. L'ensemble des débiteurs sont insolvables. Concernant le budget des pompes funèbres, il s'agit de l'exercice 2018 pour des créances admises en non-valeur pour un montant de 2 223,98 €. Il s'agit d'une dette d'un seul débiteur proposée en non-valeur pour PV de carence, donc pour absence de ressources. Total des produits irrecouvrables, donc 6 912,84 €.
Merci, monsieur le Brasseur. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Le Guen? Oui, monsieur le maire, des précisions donc pour vos collègues, donc nouveaux élus, hein, par rapport aux créances admises en valeur et créances éteintes, car la différence est importante. Comme vous le disiez à l'instant, les créances éteintes font suite à un jugement du tribunal et nous sommes obligés donc de prendre cette délibération. Donc une créance admise en valeur demande aussi une délibération, mais en tant que receveur, hein, je peux tout à fait ensuite continuer, si je retrouve donc des éléments pour poursuivre donc les redevables concernés, hein, continuer donc les poursuites, hein, et nous avons bien un compte budgétaire qui existe, et l'intitulé le suivant, c'est recouvrement après admission en valeur. Donc ce n'est pas parce que là ce soir vous allez prendre la délibération validant à l'instant T ces créances admises en valeur, qu'a posteriori, pour les créances admises en valeur et non pas pour les créances éteintes, mais le recouvrement est encore possible a posteriori, et ça arrive en particulier qu'il y a des successions qui durent longtemps, hein, pour donc des sommes qui à un moment donné ont été prises et acceptées par le conseil municipal en valeur. Voilà, monsieur le maire, la précision que je voulais donner sur ce point. Merci, monsieur Le Guen. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Rémi? La demande présentée par monsieur le trésorier municipal en vue d'obtenir l'admission en créances éteintes et en non-valeur de divers produits sera portant pour le budget ville aux exercices 2014 à 2020 et pour le budget des pompes funèbres à l'exercice 2018. Après avoir examiné les motifs invoqués à l'appui de ce non-recouvrement, vu l'avis favorable de la commission suivisée, accepte l'admission en non-valeur des produits dont le montant s'élève à 6 912,84 €, soit 4 688,86 € sur le budget ville et 2 223,98 € sur le budget des pompes funèbres. Merci, monsieur le Brasseur. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Madame Greffet se prépare, mais un parapheur contenant les documents annexés au budget supplémentaire va vous être soumis pour signature. Vous voudrez bien ne pas quitter cette salle avant d'avoir rempli cette obligation. Et les personnes qui détiennent un pouvoir signent deux fois. Le parapheur va commencer à circuler maintenant. Madame Greffet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Afin de préparer le budget primitif 2021 avec le maximum d'informations, puisque les évolutions de la réglementation et les dotations de l'État seront approuvées par le Parlement lors du vote de la loi de finances en décembre 2020. Le budget de la ville sera présenté à l'Assemblée délibérante en mars 2021. Toutefois, pour ne pas retarder l'engagement des procédures, il convient de permettre aux services de la ville d'anticiper le lancement des opérations. Le règlement général de la comptabilité publique prévoit que l'engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires, autrement dit des crédits ouverts par le conseil municipal. Et l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités locales de fonctionner dans l'attente du vote de leur budget. Pour la section d'investissement, les pouvoirs de l'exécutif sont plus limités que pour la section de fonctionnement. L'exécutif peut, pendant cette période, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans certaines conditions. Autorisation de l'organe délibérant. Cette faculté ne peut être utilisée que dans la limite du quart des crédits d'investissement ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme, l'exécutif peut procéder à leur liquidation et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Le remboursement en capital des annuités de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget fait l'objet d'une exception prévue par les textes qui permet le règlement immédiat de cette séance. Monsieur le maire, y a-t-il des questions? Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vous l'avez compris, il s'agit d'engager, de pouvoir engager 25% des dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement. Je laisse monsieur Le Guen compléter. Alors cette délibération en fait vient en complément de l'état des restes à réaliser. Les restes à réaliser, c'est quoi? Ce sont donc les crédits
qui ont été prévues entre le budget primitif et le budget supplémentaire que vous venez donc de voter ce soir et qui n'ont pas été donc utilisées. Donc jusqu'à la date du budget, il n'y a pas de souci en ce qui concerne ces restes à réaliser. Mais par exemple, si vous avez un nouveau projet, une dépense importante à faire entre le 1er janvier et le jour du budget qui aura lieu, je crois, au mois d'avril, cette délibération permet donc, dans ce cadre des 25% hors restes à réaliser, de permettre donc la dépense et de payer effectivement le fournisseur. Voilà l'utilité donc, de cette délibération qui est prise tous les ans par les grosses collectivités. Merci, Monsieur Le Guen. Monique ? Autorise avant le vote du budget primitif principal 2021 et au titre du prochain exercice budgétaire, l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits attribués en 2020 suivant les tableaux ci-après. Vous trouverez le tableau en annexe sur la délibération. Merci Monique. Je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Lejeune pour la subvention aux associations pour l'année 2021 et notamment les acomptes. Je vais demander aux élus qui prennent la parole de bien s'approcher du micro parce qu'il y a une prise de son pour le live Facebook et si on n'est pas entendu, ça n'a plus grand intérêt. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Voilà. Merci. À vous, Madame Lejeune. Bonsoir à tous. Délibération, subvention aux associations pour l'année 2021 pour les acomptes. Chaque année, un certain nombre d'associations bénéficient d'acomptes sur subvention. Dans le cadre du contexte actuel de crise sanitaire et en raison de la date probable de vote des subventions 2021 aux associations, la municipalité souhaite aider les associations susceptibles d'être confrontées à des besoins justifiés de trésorerie en début d'année et leur accorder un acompte de 5/12 du réalisé de 2020. À valoir sur la subvention de fonctionnement 2021. Merci Madame Lejeune. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mercier. Merci, c'est une question de curiosité. Donc, en annexe, nous avons la liste des associations qui sont concernées. Et apparemment, il n'y a que celle-là. C'était juste pour demander quel était le critère de choix. C'est le même critère de choix que l'année dernière. Ah, bah alors, ça ne colle pas. C'était pas ce critère-là. Les subventions qui sont supérieures à 1 500 € dans l'année pour les associations pour lesquelles nous pouvons verser un acompte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Madame Lejeune. Décide d'accorder aux associations désignées en annexe 1 qui seraient confrontées dès le début d'année à des besoins justifiés de trésorerie un acompte à valoir sur la subvention de fonctionnement 2021 selon les règles de la comptabilité publique après présentation d'une demande écrite sollicitant le versement d'un acompte et d'un plan de trésorerie de l'association. Précise que le montant maximum de cet acompte ainsi que les modalités de versement sont précisées en annexe 1. Précise que les crédits correspondants seront inscrits au compte 6574, subvention de fonctionnement aux associations, aux autres personnes de droit privé, du budget primitif de 2021. Autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint au maire, délégué aux finances, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Lejeune. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Monsieur Fraquet, pour la constitution de la commission communale des impôts directs. L'article 1650 du Code général des impôts précise que chaque commune doit instituer une commission communale des impôts directs. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle des conseillers municipaux. Cette commission comprend, outre le maire ou l'adjoint délégué qui en assure la présidence, 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants, désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables proposée par le conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins
jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. La commission communale des impôts directs est appelée à donner son avis sur l'évaluation des constructions nouvelles, des modifications du foncier et des changements d'affectation de bâtiments. Ces évaluations déterminent les valeurs locatives qui ont un impact sur les recettes encaissées par la ville. La commission a un avis uniquement consultatif, il faut le savoir. Vous nous pardonnerez, mais il y avait eu une erreur dans la distribution du projet de liste, puisque nous avions mis tous les candidats, si je puis dire, dans la partie titulaire, alors qu'il nous faut proposer 16 titulaires et 16 suppléants. Et c'est la Direction générale des finances qui choisira parmi ces 16, 8 titulaires, et parmi les 16 suppléants, 8 titulaires. Ce n'est pas nous qui choisirons. Nous proposons une liste. Nous proposons 16 titulaires, 16 suppléants. Rapidement, les titulaires proposés sont Bruno Roussel, Dominique de Fassion, Claude Auton, Morgane Voisin, Claire Costet, pour laquelle nous modifierons l'adresse puisqu'elle habite 19 rue du Héron et non pas 19 rue Henri Chéron. Pour le quartier sud, en titulaire, il s'agit de Jean-Paul Salle, Jean-Pierre Gallet, Paulette Duval, Michel Blanchard. Quartier nord, titulaire, Jacques Ruffin, Christophe Châtelet, Daniel Delacroué. Pour Hauteville, titulaire toujours, Sylviane Buffet, Noël Jouvin, Cyril Mangeant, Bruno Deleu. Et en suppléant sont proposés pour le centre-ville, Christian Aymard, Régis Lecoge, David Kivitsi, Esther Ménal, Thibaut de Jäger, Maïwan Léger. Pour le quartier sud, proposé en suppléant Hervé Sel. Pour le quartier nord, suppléant proposé Laurent Delanoë, Florian Lépine, Monique Greffé, Nathalie Cotron, Pascal Auvray. Et pour Hauteville, suppléant Marcel Blain, Vicky Bagnier, Gilbert Godero et Frédéric Ménil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vais la délibération. Vu le Code général des impôts et notamment l'article 1650, vu la liste de contribuables proposés s'y annexée, vu l'avis favorable de la commission susvisée, dresse la liste qui sera présentée au directeur départemental des finances publiques pour la désignation des commissaires titulaires et commissaires suppléants à la commission communale des impôts directs. Merci Denis. Je vais vous demander de voter sur cette liste. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Et je donne sans plus attendre la parole à Madame Karine Lanier pour la convention d'attribution d'une subvention par la ville du Lusier au profit de la Caisse des écoles pour le cofinancement du programme de réussite éducative. Madame Lanier. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Le programme de réussite éducative, PRE, est un dispositif d'accompagnement individualisé agissant en surcroît du droit commun, qui vise à apporter un soutien éducatif, social, périscolaire, culturel et sanitaire aux enfants âgés de 2 à 16 ans. Le dispositif permet une approche globale et concertée de la situation par une équipe de partenaires concourant à la réussite éducative. L'accompagnement proposé via un parcours personnalisé a pour objectif de répondre aux besoins propres de chaque enfant afin de favoriser son épanouissement personnel. Prenant en considération l'arrêt des financements de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ANCT, depuis le 1er janvier 2018, pour les familles n'habitant pas un quartier prioritaire, la ville a validé la poursuite des accompagnements du PRE en direction des familles habitant la ville de Lisieux. En effet, le financement de l'ANCT concerne exclusivement les enfants habitant le quartier politique de la ville, QPV. Le financement à destination des enfants n'habitant pas le QPV revient à la collectivité. Il s'agit donc d'une véritable volonté municipale d'accompagner l'intégralité des habitants de la ville de Lisieux. Le montant de la subvention de la ville de Lisieux au profit des caisses des écoles pour l'année 2021 s'élèvera à un montant maximum de 45 000 euros. La somme allouée sera précisée en prenant en compte les éléments suivants. Le nombre d'enfants suivis en 2020, la répartition de l'enveloppe politique de la ville 2021 entre le PRE et les autres actions du contrat ville,
ainsi que le budget prévisionnel des actions mises en place par le PRE, reconduites et ou nouvelles. Merci, Madame Lanier. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on ouvre le PRE à tous les enfants du territoire. Pardon, monsieur. Je vous donne la parole après. Je donne la parole maintenant, monsieur. Merci. Allez-y. Bon, c'est déjà des discussions qu'on avait eues dans les mandats précédents. Hein. Oui, oui. Excusez-nous, on n'était pas là. Néanmoins, ce qui s'est passé dans les mandats précédents, c'est que le PRE était exclusivement appliqué sur le quartier de Hauteville. Et pour l'année 2021, on ouvre ce PRE à l'ensemble des enfants du territoire. Donc tous les enfants de Lisieux pourront bénéficier de ce suivi, cet accompagnement individualisé. Je vous ai déjà donné la parole une fois, monsieur Mercier. Je la garde maintenant. Et je demande à madame Lanier de continuer sur sa délibération. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de l'exercice en cours, vu le projet de convention s'y annexé, vu l'avis favorable de la commission susvisée, approuve la convention d'attribution d'une subvention à la Caisse des écoles dans le cadre du programme de réussite éducative s'y annexé, autorise Monsieur l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et des marchés publics à signer ladite convention et les pièces y afférentes. Merci Madame Lanier. Je vais vous demander de délibérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors on va bousculer un petit peu l'ordre des délibérations pour rester sur le même thème. Et on va passer à la délibération 145 avec une présentation du rapport du contrat de ville pour l'année 2019 qui va nous être faite par Monsieur Jean-René Desmonts. Et on enchaînera ensuite avec la convention triennale d'utilisation de l'abattement de 30% sur la TFPB, puisqu'on reste dans le même thème. Il me paraît utile que nous procédions ainsi. Pardon. Jean-René. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Délibération donc 2020-145, politique de la ville, relative au rapport de contrat de ville pour l'année 2019. Alors, la politique de la ville est une stratégie nationale et territoriale donc, que l'État et les collectivités territoriales mettent en place avec leurs partenaires pour lutter contre les difficultés et inégalités qui touchent en France 1500 quartiers prioritaires. À Lisieux, on est concerné par un quartier prioritaire donc dit politique de la ville, c'est le quartier d'Hauteville. Alors, pas l'intégralité du quartier d'Hauteville, essentiellement le centre commercial numéro 1, enfin, ce qu'il y a autour du centre commercial numéro 1. Et dans le cadre donc, de cette politique de la ville, il y a effectivement donc, des investissements qui sont réalisés et un rapport qui doit être établi annuellement par l'entité qui est en charge de la gestion du contrat de politique de la ville, à savoir pour Lisieux, l'agglomération Lisieux-Normandie. Dans le cadre de l'agglomération Lisieux-Normandie, donc, ce rapport a été présenté aux membres qui sont élus en tant que conseillers communautaires, mais les textes prévoient qu'on doit également faire une présentation de ce rapport de la politique de la ville auprès des conseillers municipaux, donc ce qui est le cas ce soir. C'est prévu également que doit être organisé un débat sur la politique de la ville au sein donc de chaque année au sein de l'établissement public donc de coopération intercommunale, à savoir donc l'agglomération Lisieux-Normandie et également la ville de Lisieux sur ce rapport. Donc ce soir, on vous soumet pour avis donc ce rapport donc de politique de la ville. Vous avez normalement, ça vous a été distribué en annexe à la délibération, donc le rapport de la politique de la ville. Je vais vous épargner une lecture fastidieuse puisqu'il fait 76 pages. Je vous invite pour la synthèse notamment à vous référer aux conclusions donc de ce rapport de la politique de la ville, s'agissant notamment de la gouvernance avec la mise en place des différents projets qui ont été réalisés, la programmation donc des actions réalisées, la question de l'abattement TFPB qu'on a déjà évoqué dans le cadre de la dernier conseil municipal donc qui est réévoqué ici, et la question aussi du programme de réussite éducative qu'on vient d'évoquer à l'instant. Programme de réussite éducative qui est effectivement en partie financé dans le cadre de la politique de la ville pour le quartier prioritaire d'Hauteville et dont la municipalité a fait le choix de l'étendre à nouveau à l'ensemble de la ville
puisque ça avait été décidé par la précédente municipalité de le réduire uniquement aux quartiers prioritaires qui bénéficiaient des financements de l'État. Donc là, on a décidé de l'étendre au-delà à l'ensemble de la ville, puisqu'on a considéré que ce programme qui concerne les jeunes et la détection des difficultés au niveau éducatif puisse être étendu à l'ensemble de la ville et pas uniquement aux quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance de ce rapport et pour ceux qui le souhaitent, pour aller plus vite aux conclusions. Voilà. Merci, Monsieur Desmonts. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions. Alors, délibération, je vous épargne les visas. On propose donc d'approuver donc le projet de rapport politique de la ville 2019, si annexé. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors Jean-René, on continue avec la TFPB. TFPB. Donc c'est la délibération 2020-132 qui concerne l'avenant à la convention triennale donc, d'utilisation de l'abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre donc, du conseil municipal du 16 novembre 2020, le conseil avait validé la signature de 3 avenants aux conventions triennales d'utilisation donc, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB de 30%. Pour rappel, les 3 bailleurs sociaux qui interviennent sur Lisieux, à savoir la Sagim, Inolia et Parthélios, bénéficient d'un dispositif donc, d'abattement fiscal sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et en échange de cet abattement, ils doivent s'engager à réaliser donc, des actions et des dépenses qui sont en lien avec l'abattement, enfin, qui correspondent à l'abattement qu'ils obtiennent. On avait discuté dans le cadre donc, des débats du 16 novembre de cet abattement, et notamment on avait évoqué l'intervention de la Sagim qui était un petit peu en retrait par rapport aux 2 autres bailleurs sociaux, à savoir Parthélios et Inolia. Et donc on a eu des discussions avec la Sagim, ce qui a conduit à une modification des actions envisagées par ce bailleur, et notamment sur son axe 5, vous le verrez, tranquillité résidentielle, avec la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection à l'extérieur des tours A1, A2 et A3, qui se substituent au contrat de maître chien qu'il y avait antérieurement pour le même montant de 35 000 euros. Voilà, c'est la seule modification qui est apportée au contrat de la Sagim par cet avenant qu'on vous propose donc d'adopter ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Oui. Je voulais juste dire que c'est dommage que la Sagim mette les caméras à l'extérieur et non pas dans les halls. On a obtenu un premier pas. Monsieur Mercier. C'est bien que la Sagim ait mis les caméras à l'extérieur. Elle a le droit puisque le terrain qui est autour lui appartient. C'est pas tout à fait le sens de l'intervention de... Non, mais si vous voulez, j'ai fait le tour de la tour avec le commissariat et la Sagim de la semaine dernière. Et les problèmes se posent principalement dans les halls. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas savoir ce qui se passe dans les halls. Oui, monsieur Mercier. Merci. Ben, c'est quand même mieux que rien. C'est mieux qu'un maître chien, oui, c'est sûr. Jean-René. Alors la délibération, donc on propose d'approuver donc la modification donc de l'avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de 30% sur la TFPB à usage locatif de la Sagim pour les années donc 2021-2022 et en conséquence autoriser monsieur le maire ou monsieur l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et au marché public à signer l'avenant ainsi que toute modification mineure apportée à cet avenant ainsi que tout document s'y rapportant. Merci monsieur Desmonts. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. On va reprendre l'ordre initial et je donne la parole à Vincent Autant. Allô Vincent. Alors, bon, j'ai 3 délibérations, donc du coup... Donc, les terrasses... Proposition de reconduction d'une indemnisation pour l'aménagement... Ou le réaménagement. Voilà. Donc, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc, les terrasses constituent une composante essentielle du paysage urbain. Elles participent à l'image commerciale et urbaine de la ville et contribuent à l'harmonie des rues et des places.
Afin de rendre la ville plus attractive et plus conviviale, la ville de Lisieux a mis en place une charte des terrasses et des étalages applicables au 1er janvier 2013. Cette charte regroupe un ensemble d'orientations et de recommandations concernant les matériaux, couleurs et formes de mobilier présentés, ainsi que des règles en matière d'accessibilité et d'occupation du domaine public. Ces recommandations s'appliquent aux nouvelles terrasses, mais également aux aménagements existants qui doivent s'adapter sur une période de 5 ans. En accompagnement, le Conseil municipal a adopté le 11 décembre 2012 les propositions financières suivantes pour indemniser les commerçants de manière forfaitaire et exceptionnelle pour le préjudice financier généré par la création de la charte des terrasses et étalages. Donc, vous aurez en pièce jointe tout le détail. Donc, le montant global de la ville par la ville est de 10 000 euros. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Eh bien, on continue. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code civil et notamment ses articles 1382 et suivants, vu l'avis favorable des commissions susvisées, adopte les propositions d'indemnité financière exposées ci-dessous pour l'année 2021. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021, autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint au maire délégué à l'attractivité et à l'animation à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci monsieur Auton. 9 commerçants, pour votre information, ont bénéficié de cette aide en 2020, dont 7 sur l'avenue Victor Hugo. Voilà, je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Monsieur Eustache, prolongation des mesures d'exonération partielle des droits d'occupation du domaine public. Oui, bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. En raison de la crise sanitaire qui affecte durement l'économie et plus spécifiquement les secteurs de la restauration, des bars, cafés, commerces du centre-ville, la municipalité avait décidé par délibération du 27 juillet 2020 de poursuivre l'exonération des droits de place de commerce jusqu'à la fin de l'année 2020, au-delà de la première période d'état d'urgence ordonnancée. Le 7 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, ainsi que son régime transitoire de sortie jusqu'au 1er avril 2021. Au niveau local, il est proposé de prolonger les dispositions antérieures prises d'exonération à 90% jusqu'au 31 mars 2021 sur l'ensemble des tarifs et redevances pour l'occupation privative du domaine public. Pour rappel, l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques interdit l'occupation du domaine public à titre gratuit. Merci monsieur Eustache. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on poursuit. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2125-1 et L2125-3, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la voirie routière, vu la loi 2856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, vu la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de crise sanitaire, vu la délibération 2020-65 en date du 27 juillet 2020, fixant l'exonération à 90% sur 2020 des tarifs et redevances de l'occupation privative du domaine public, vu sa délibération 2020-110 en date du 16 novembre 2020, portant révision des tarifs et notamment les tarifs de redevances pour l'occupation privative du domaine public, vu l'avis favorable des commissions susvisées, considérant la crise sanitaire et économique traversée par la France, considérant les effets des protocoles sanitaires sur les commerces et les centres-villes, considérant l'importance de soutenir les commerces pendant cette période de crise sanitaire, décide jusqu'au 31 mars 2021 d'exonérer partiellement du paiement des droits d'occupation du domaine public en diminuant les tarifs applicables aux terrasses et étalages de 90% prévus par la délibération 2020-110 du 16 novembre 2020. Merci monsieur Eustache. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Denis Fraquet, création des emplois permanents à temps complet ou non complet? Conformément à la loi, les emplois permanents de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et sont listés dans le tableau des emplois permanents
qui vous a été communiqué. Ce tableau concerne les emplois de fonctionnaires stagiaires, titulaires et les emplois contractuels de droit public ouverts budgétairement, pourvus ou non, classés par filière, cadre d'emploi et grade et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de voter pour un nouveau tableau à partir du 1er janvier 2021. Ces emplois permanents sont pourvus par des fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Mais dans l'hypothèse où la vacance de l'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, et conformément au texte, il est proposé que le maire puisse recruter un agent contractuel. Et donc le motif invoqué du recrutement d'un agent contractuel sera justifié, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et le niveau de rémunération. Donc vous avez le tableau qui est joint. Merci Denis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je cède la parole à M. Le Gouen pour un complément d'information. Oui, merci Monsieur le maire. Cette délibération que vous avez proposée ce soir est très importante et elle est le fruit d'un travail en commun entre les services de la trésorerie et les services de la ville de Lisieux. Donc depuis 2 ans, nous avons beaucoup avancé sur le sujet du régime indemnitaire par rapport au texte. Et cette délibération-là va donc faire référence et fera référence en 2021 et les années suivantes par rapport aux différentes personnes qui seront donc recrutées, puisque là, nous avons maintenant une délibération qui sera votée donc à la date du 14 décembre donc 2020 qui crée l'ensemble des emplois permanents à temps complet ou non complet de la ville de Lisieux. Elle est vraiment rédigée dans le respect des textes et elle fera donc référence pour les années à venir. Donc c'est le fruit du travail en commun de 2 années entre nos services. Merci Monsieur Le Gouen. Denis. Donc le conseil municipal décide de créer les emplois permanents à temps complet et non complet de la ville de Lisieux, listés dans le tableau ci annexé qui prendra effet à compter du 1er janvier 2021. D'autoriser le recrutement sur un emploi permanent d'un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux conditions fixées par la loi. Précise qu'en cas de recrutement au titre de l'article 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiés, seront indiqués dans ce cas le motif invoqué du recrutement d'un agent contractuel, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et les niveaux de rémunération. Dit que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville au chapitre 12, articles 641-11 et 641-31. Dit qu'ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Lisieux et à Monsieur le trésorier principal de Lisieux. Autorise Monsieur le maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Denis encore pour le tableau des effectifs avec une modification numéro 6. Oui, là, c'est une simple modification. Donc la modification des effectifs à l'emploi permanent. C'est suite à quelques aménagements dans le cabinet. Donc il y a la création d'un poste d'assistant administratif et financier et la création d'un poste de chargé de communication. Et puis il y a également, mais là c'est un peu spécifique, pour le programme de réussite éducative. Actuellement, si vous voulez, c'est une subvention que nous donnons à l'organisme et qui finance le salaire. Et là maintenant, ça sera un employé municipal mis à disposition. Ça sera le même employé d'ailleurs. Et donc il y a aussi l'ouverture d'un poste de chargé de communication numérique, grade rédacteur, et l'ouverture du poste de directeur de développement numérique et système d'information au niveau des contractuels. C'est au cas où on ne trouve pas de titulaire de la fonction publique. Il y a des questions. Avez-vous des questions? Pas de questions. Allez, Denis. Vu le budget de l'exercice 2020, considérant les décisions de l'autorité territoriale, considérant que les déclarations de vacances de poste seront transmises au centre de gestion de la fonction publique territoriale, autorise Monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines à recruter, dans les conditions fixées à l'article 3.3 alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
un agent non titulaire pour exercer les fonctions de chargé de communication numérique, directeur ou directrice développement numérique et système d'information, et à fixer la rémunération de ces derniers par référence à la grille indiciaire des cadres d'emploi correspondant à ces postes, suivant l'expérience des candidats et au regard du cadre d'emploi sur lequel serait recruté un titulaire en lieu et place. Modifie les tableaux des emplois permanents à temps complet et à temps non complet, conformément à l'article 1 à 5. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de l'exercice en cours et seront inscrits au budget des exercices suivants. Merci Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Madame Cotron, régime des heures supplémentaires au sein de la ville de Lisieux, indemnité horaire pour travaux supplémentaires, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Conformément à l'article 2 du décret 91-875 du 6 septembre 91, il convient de fixer par délibération du conseil municipal, sur proposition de l'autorité territoriale après avis du comité technique, les régimes des heures supplémentaires au sein de la ville de Lisieux. Les heures supplémentaires sont les heures accomplies après demande préalable de l'autorité territoriale via le chef de service par les agents à temps non complet, à temps complet et à temps partiel, au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne peut excéder 25 heures par mois. Pour les agents de catégorie A, B ou C relevant de la filière sanitaire et sociale, le plafond mensuel est fixé à 20 heures par mois. Ce contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. Les représentants du personnel au comité technique paritaire en sont immédiatement informés. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux agents suivants. Aux fonctionnaires de la catégorie B et aux agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. Aux fonctionnaires de la catégorie C et agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. Et aux fonctionnaires relevant de certains cadres d'emploi de la catégorie A, de la filière sanitaire et sociale et agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. Aux sapeurs-pompiers professionnels et aux agents de police municipale, aux gardes champêtres et aux chefs de service de police municipale. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10. Les agents qui exercent leur fonction à temps partiel peuvent bénéficier du versement de l'IHTS. Le taux est proratisé en fonction de la quotité de travail. Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée par leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base de la proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale de travail. Dès lors que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée afférent à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale de travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Vous avez le tableau de la rémunération horaire des heures supplémentaires pour les premières heures à partir de la 15e heure, les heures de nuit et les heures accomplies un dimanche ou un jour férié. Si elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires effectuées par un agent donnent lieu à une récupération correspondant au nombre d'heures de travail effectuées. À une heure supplémentaire correspond une heure de récupération. Merci Madame Cotron. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On poursuit. Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret 91-298 du 20 mars 1991, modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
vu le décret 2004-777 du 29 juillet 2004, modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, vu le décret 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 juillet 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, vu le décret 2002-60 du 14 juillet 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, vu le décret 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, vu sa délibération 2019-68 du 18 juin 2019 portant indemnisation des heures complémentaires, supplémentaires et des astreintes, vu le budget de l'exercice 2020, vu l'avis rendu par le comité technique en date du 30 novembre 2020, vu l'avis favorable de la commission susvisée, considérant que le personnel de l'ISIE peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de la durée légale du travail sur demande de l'autorité territoriale, considérant que les instruments du décompte du temps de travail sera mis en place, feuille de pointage, abroge la délibération 2019-68 du 18 juin 2019 portant indemnisation des heures complémentaires, supplémentaires et des astreintes, décide de fixer le régime supplémentaire selon les modalités exposées ci-dessous. Merci Nathalie. Je vais conclure parce qu'on reprend après le corps de la délib dans les articles 1, 2, 3. Article 1, cas de recours aux heures supplémentaires. L'article 2, les emplois concernés, vous les retrouvez dans le tableau qui a été joint en annexe à la délibération. Et dans l'article 3, les modalités de rémunération ou de récupération. Et donc vous m'autorisez, ou monsieur l'adjoint maire délégué ressources humaines, à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la précédente délibération. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Nathalie, pour le régime des heures complémentaires au sein de la ville de Lisieux. Le décret 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet précise les modalités de calcul et de majoration de l'indemnisation des heures complémentaires. Il convient de fixer par délibération du Conseil municipal sur proposition de l'autorité territoriale après avis du comité technique le régime des heures complémentaires au sein de la ville de Lisieux. Les heures complémentaires sont les heures accomplies après demande préalable de l'autorité territoriale par les agents à temps non complet, stagiaires titulaires ou contractuels, au-delà de la durée hebdomadaire de services afférentes à leur emploi et inférieures à la durée légale donc de 35 heures. Au-delà de la durée légale de travail, il s'agira d'heures supplémentaires. Les heures complémentaires sont payées mensuellement en fonction des heures accomplies. La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut d'un agent au même indice exerçant à temps complet, y compris la NBI éventuelle. Pour les agents annualisés avec des périodes de travail non régulières, les heures complémentaires sont comptabilisées à partir du temps de travail réellement fait par l'agent et non à partir du temps de travail prévu lors de la création du poste. La possibilité de majorer les heures complémentaires ne concerne que les agents à temps non complet recrutés sur des emplois permanents. Pour les agents recrutés sur des emplois non permanents, il n'y a pas de majoration possible. L'autorité territoriale peut décider par délibération de majorer la rémunération de l'heure complémentaire. Si elles ne sont pas indemnisées, les heures complémentaires effectuées par un agent donnent lieu à une récupération correspondant au nombre d'heures de travail effectuées. À une heure complémentaire correspond une heure de récupération. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions.
Alors, je vais faire la suite, Nathalie. Vu la loi du 13 juillet 1983, du 26 juillet 1984, vu le décret du 20 mars 1991, le décret du 15 mai 2020, vu la délibération du 18 juin 2019, vu l'avis rendu par le comité technique en date du 30 novembre, vu l'avis favorable de la commission susvisée, considérant que les agents à temps non complet de la ville de Lisieux peuvent être appelés selon les besoins du service à effectuer des heures complémentaires, considérant que la collectivité a la possibilité de majorer les heures complémentaires, que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place, décide de fixer le régime des heures complémentaires selon les modalités exposées ci-dessous. Vous avez la liste des articles. L'article 1 cadre recours aux heures complémentaires où sont précisées la possibilité de recours à ces heures complémentaires, les emplois concernés dans le tableau, la majoration. La ville de Lisieux n'autorise pas la majoration des heures complémentaires. Et l'article 4, modalité de rémunération ou de récupération. Et vous devez, là encore, m'autoriser ou monsieur le maire adjoint délégué aux ressources à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Voilà, il y a quelques coquilles dans la délibération qu'il faudra reprendre après lecture, mais elles sont mineures. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Denis Fraquet, pour le régime des astreintes au sein de la ville de Lisieux. Oui, je ne vais pas vous lire toute la délibération, parce que je pense que vous l'avez sous les yeux. Donc je rappellerai simplement que l'astreinte est une période pendant laquelle l'agent est tenu de rester à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de son administration employeur. On connaît tous actuellement une période hivernale, donc nous avons les services techniques qui sont d'astreinte au cas où il y aurait du verglas ou de la neige, par exemple. Et c'est également une période sanitaire un peu spécifique. Donc aujourd'hui, le cimetière est d'astreinte le week-end, puisque vous savez qu'on doit fermer les cercueils dans les 24 heures pour ceux qui meurent du Covid. Donc ce sont ces types d'astreintes. Et également, chaque semaine, il y a quelqu'un d'astreinte au cas où il y a un problème, de façon à convoquer les personnes qui sont d'astreinte. Donc nous avons voulu revoir l'ensemble des astreintes et les tarifs. Donc vous les avez sous les yeux. Je pense que je n'ai pas besoin de tout vous lire. Mais par contre, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Comme vous pourrez le voir, tous les grades peuvent maintenant prétendre aux astreintes, ce qui est complètement différent de la permanence. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, Denis, on poursuit. Alors, vu les différentes lois... Le micro. Pardon. Excusez-moi. Donc, vu les différentes lois, décrets, circulaires et autres, vu sa délibération 2019-68 du 18 juin 2019 portant indemnisation des heures complémentaires, supplémentaires et des astreintes, vu le budget de l'exercice 2020, vu l'avis rendu par le comité technique en date du 30 novembre 2020, vu l'avis favorable de la commission susvisée, abroge la délibération 2019-68 du 18 juin 2019 portant indemnisation des heures complémentaires, supplémentaires et des astreintes, décide de fixer le régime des astreintes selon les modalités exposées ci-dessous. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, à moins que vous vouliez que je fasse la lecture. Donc je vais tourner les pages. Donc dit qu'il appartiendra à l'article les modalités de rémunération de la compensation. La rémunération des astreintes se fera sur production de l'autorité territoriale via le chef de service d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à payer ou à récupérer par l'agent. Le régime mixte s'applique sur toutes les filières, hors filière technique, mais la compensation en repos compensatoire reste exceptionnelle et sur décision du chef de service. Rappelle les périodes d'astreinte, que les périodes d'astreinte ne peuvent donner lieu qu'à une indemnisation pour les agents de la filière technique. Le paiement des périodes d'intervention se fera sur production. Dit qu'il appartiendra, c'était pas le même article, hein, dit qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives réglementaires et de la présente délibération. Dit que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville au chapitre 012, articles 641-18 et 641-38.
dit complication de la présente délibération sera transmise à Monsieur le sous-préfet de Lisieux et à Monsieur le trésorier principal de Lisieux. Autorise Monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Petit retour en arrière sur le PRE avec la délibération suivante. Denis, avenant la convention de mise à disposition du personnel de la ville au profit de la Caisse des écoles. Oui, puisque la convention a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022, donc il s'agit également de mettre l'ensemble du personnel dont le PRE a besoin à disposition. Donc c'est l'objet de cette convention, en fin de compte, c'est de prolonger la mise à disposition du personnel jusqu'en fin 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le statut de la Caisse des écoles, vu le projet d'avenant s'y annexé, vu l'avis favorable de la commission susvisée, approuve le projet de convention de mise à disposition du personnel de la ville de Lisieux au profit de la Caisse des écoles. Autorise M. l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines à signer l'avenant à la convention de mise à disposition du personnel de la ville de Lisieux au profit de la Caisse des écoles. Merci Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Denis, mise en œuvre du forfait de post-stationnement, renouvellement de la convention avec l'Entaille. Oui, là, c'est-à-dire qu'on sous-traite tout ce qui est traitement du post-stationnement et leur envoi à une société, donc à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Donc on vous propose de poursuivre ce contrat puisqu'il vient à expiration, donc c'est de le renouveler, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vu le projet de convention s'y annexer, vu l'avis favorable de la commission susvisée, décide de confier à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le traitement informatisé des formés de poste de stationnement. Autorise Monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué aux finances à signer la présente convention, ses éventuels avenants ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Précise que les crédits correspondants seront inscrits sur les exercices budgétaires 2021 et suivants. Merci Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, juste une petite intervention pour nous excuser auprès de nos chers compatriotes, puisque nous avons un problème informatique. Et actuellement, si vous voulez, les contrats s'arrêtent à 0 heure. Et le problème, c'est que donc le dernier jour du contrat n'est pas pris en compte. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez votre contrat qui se termine le 15, normalement le soir, à minuit, comme c'est 0 heure qui est pris en compte par l'ordinateur, et ben le 15, vous avez une contravention pour les abonnements. Donc il faut le savoir. Bon, bien sûr qu'il est annulé après, mais c'est quand même désagréable d'avoir une contravention. Donc je présente mes excuses, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé la solution. Et puis autre chose quand même, l'application est en marche et elle fonctionne très bien. Donc pour ceux qui ont un smartphone et qui souhaitent ne pas aller à la borne, n'hésitez pas à prendre l'application. L'application refonctionne, oui. Oui, c'est grâce à Denis. Merci, Denis. Bien, puisqu'on a réveillé tout le monde. Allez, Vincent Auton, pour la création d'un nouveau marché communal appelé marché de réveillon. Voilà, tout à fait. Donc, on a eu une commission avec les marchands ambulants. La demande de leurs clients était de pouvoir acheter des produits frais pour le 24, pour les repas de famille qui seront limités au moment de Noël. Donc on a travaillé ensemble et on leur a proposé de faire un marché de réveillon le 24 sur la place Mitterrand. Donc durant les festivités de fin d'année, un marché de réveillon associé à celui du marché hebdomadaire du samedi est organisé par la ville de Lisieux afin d'animer la ville, de conforter l'activité économique des commerces titulaires du marché hebdomadaire et des commerçants l'exoviant, et de favoriser une offre de produits frais pour le réveillon. Cet événement attractif se tiendra le 24 décembre 2020 de 8h à 13h pour la vente dans le centre-ville de Lisieux selon les modalités définies par arrêté.
Donc les exposants retenus s'engagent à exposer pendant toute la durée du marché. Je vous passe les horaires de déballage. Donc ce sera donc de 8h à 14h. Donc le voilà, non, de 8h à, oui, de 8h à 13h et le remballage de 13h à 14h, pardon. Les conditions d'organisation feront l'objet d'un règlement intérieur défini par arrêté municipal, conformément à l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est compétent pour organiser et établir un règlement de marché. Le règlement fixe les règles de gestion, de police, d'emplacement et d'hygiène. Il prend la forme d'un arrêté municipal. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Burel. Allumez votre micro. Ça y est. Excusez-moi, merci Monsieur le maire. Le marché, il aura lieu place Mitterrand ou place de la République comme d'habitude? C'est juste... Alors le 24, c'est un marché de réveillon et c'est place Mitterrand. Ah, c'est, voilà, c'est ça. Un marché qui est mis en place juste avant le réveillon. C'est un petit marché. Voilà. Et le 26, il y aura le marché sur la place de la République comme il est d'habitude. Voilà, peut-être avec moins de commerçants. Mais celui-ci, c'est aussi pour favoriser le retrait des commandes pour les marchands ambulants du samedi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vincent. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-2 et L2224-18, vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, vu l'avis favorable des organisations professionnelles en date du 3 décembre 2020, vu l'avis favorable de la commission susvisée, considérant la volonté de la municipalité de dynamiser le centre-ville de Lisieux, décide de la création d'un marché communal ciblé à compter de l'hiver 2020, autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint au maire délégué à l'attractivité et aux animations à prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place du marché de réveillon. Merci Vincent. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je remercie monsieur Ojar. Rétrocession de concession funéraire. Fort et dans le micro. Bonsoir monsieur le maire. Merci. Une concession funéraire a été accordée à monsieur Michel Roux le 22 février 1985. Est renouvelée pour 30 ans à compter du 22 février 2015 au cimetière de Lisieux, section W, rang 3, tombe 2. Le concessionnaire a sollicité l'accord de la commune pour la rétrocession de cette concession libre de tout corps et de monument. Il appartient au conseil municipal de se prononcer à l'acceptation de cette rétrocession, qui n'est toutefois envisageable que si la demande est formulée par le concessionnaire créateur de la sépulture et qu'aucun défunt n'y reste inhumé. Ces deux conditions sont ici remplies. Une telle rétrocession entraîne le remboursement au concessionnaire du prix calculé en fonction de la durée restante et sur la base des deux tiers du prix payé par le concessionnaire à la commune. Le tiers du prix versé au CCAS n'étant pas remboursable. En l'espèce, la rétrocession, si elle était acceptée, serait traduira par le remboursement au concessionnaire de la somme de 34,28 €, calculée comme suit. Durée de la concession, 10 957 jours, du 22 février 2015 au 21 février 2045. Durée restante de la concession à la date de la demande, 9 034 jours. Du 29 mai 2020 au 21 février 2045. Prix de la concession, 244,30 €. Deux tiers à la commune, soit 162,87 €. Calcul de la rétrocession, 162,87 € que multiplie 9034 jours sur 10 957 jours égale 134,28 €. Ces conditions étant acceptées par le concessionnaire par l'aide du 30 septembre dernier, et dans la mesure où cette opération présente dans un intérêt pour la commune en matière de gestion du foncier du cimetière, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'accepter cette rétrocession. Merci Henri. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Allez, on continue. Vu le Code général de la collectivité territoriale et notamment son article L.2122-29,
vu l'arrêté municipal portant la réglementation du cimetière du 28 décembre 2016, article 37, vu l'avis favorable de la commission susvisée, accepte la rétrocession de la concession funéraire du cimetière de Lisieux située dans la section W-rang 3-tombe 2, moyennant le remboursement de la somme de 134,28 € à M. Michel Pichot. Précise que les crédits nécessaires seront imputés sur le compte 6718, fonction 0260. Merci. Henri, tu as Michel Roux ou Michel Pichot ? Dans la délibération, tu nous as dit Michel Roux, mais moi j'ai tu nous as dit Michel Pichot, et moi j'ai Michel Roux. C'est ça ? Alors c'est lequel ? C'est Monsieur Roux. Allez, c'est pour Monsieur Roux. On vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On y reviendra si c'était Monsieur Pichot. Merci. Adopté. Je passe la parole à Vincent Auton pour la dérogation au repos dominical des salariés pour les dimanches accordés au commerce de détail et aux concessionnaires automobiles pour les ouvertures de l'année 2021. Voilà, donc tout à fait, on a demandé aux associations de commerçants et aux commerçants de leur volonté et leur souhait pour les repos dominicales pour pouvoir ouvrir les dimanches. Donc on a eu un tableau, on l'a élaboré en fonction du nombre de demandes et on l'a vu en commission. Voilà, donc la loi 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, complétée par la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a modifié le régime des dérogations au repos dominical autorisé par Monsieur le maire. Les dérogations au repos dominical visées par la loi concernent les commerces de détail ainsi que les concessionnaires automobiles. La loi précise que la liste des dimanches accordés par Monsieur le maire doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Le nombre de dérogations au repos dominical est de 12 maximum par an. La liste des dimanches du maire est établie par branche pour tous les établissements de cette même branche. La liste est arrêtée après avis des organisations d'employeurs et de salariés par le maire après avis du conseil municipal. Le nombre de dimanches excédant 5 par an, la communauté d'agglomération est saisie pour avis conforme. Si l'intercommunalité ne délibère pas, sa réponse est réputée favorable après un délai de 2 mois. Donc vous retrouverez 6 juin en annexe le calendrier prévisionnel des dérogations au repos dominical pour l'année 2021 concernant les commerces de détail et les concessions automobiles. Merci Vincent. Le bureau de l'agglo a délibéré jeudi et les dimanches qui vous sont proposés sont le dimanche 10 janvier, premier dimanche des soldes d'hiver, le 14 février, ça c'est une spéciale dédicace à Jean-René Desmond, c'est la Saint-Valentin, dimanche 14 mars, la baraderie des commerçants, dimanche 30 mai, la fête des mères, dimanche 20 juin, la fête des pères, dimanche 27 juin, le premier dimanche des soldes d'été et braderie des commerçants Cap-Lisieux. Dimanche 1er août, la foire au picot. Le 1er septembre, la rentrée des classes. Le 21 novembre, la brocante de Cap-Lisieux. Et les 5, 12, 19 décembre, avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Eh bien, on continue, Vincent. Alors, vu la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, vu le calendrier s'y annexé, vu l'avis rendu par le bureau communautaire du 10 décembre 2020, vu l'avis favorable de la commission susvisée, approuve le calendrier 6 juin des dérogations au repos dominical des salariés pour l'année 2021 concernant les commerces de détail et les concessions automobiles. Merci Vincent. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Jean-René Desmond pour l'acquisition d'un bien immobilier 6-12 rue du Héron. Merci Monsieur le maire. Donc délibération 2020-144 concernant l'acquisition d'un bien immobilier donc 6-12 rue du Héron. Donc Madame Alexandre qui était propriétaire donc d'une maison d'habitation située 12 rue du Héron a été affectée donc la propriété par de graves désordres qui compromettaient de manière grave et imminente la sécurité publique suite à des travaux entrepris par ses soins. Il a notamment été constaté un risque d'effondrement du mur de soutènement de la berge longeant le Sirieux,
susceptible d'entraîner la maison dans le lit de la rivière, un effondrement partiel du mur ayant fragilisé le pont jouxtant la parcelle, des fondations devenues apparentes en certains endroits, et un risque d'obstruction du lit du Sirieu, d'inondation et de pollution par voie de conséquence. Cette situation faisait peser ainsi un grave danger imminent pour les personnes. C'est pourquoi le jour du sinistre, une mesure de relogement immédiate a été proposée à la propriétaire. Donc on est effectivement intervenu assez rapidement après notre élection sur ce sujet qui concernait le sinistre de la rue du Héron. On a vu qu'il y avait une urgence à intervenir, donc on a décidé de saisir le tribunal administratif afin d'obtenir la désignation d'un expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent, ce qui a été le cas, expert qui nous a effectivement autorisé à procéder à la démolition en considérant que c'était le seul moyen possible pour faire cesser le sinistre et surtout le risque qu'il y avait que le mur qui était déjà fortement fragilisé ne vienne à céder et à ensuite être emporté dans le lit du Sirieu et à toucher par voie de conséquence le pont qui était en aval de la rivière. Donc il a été décidé donc de procéder à la démolition de cette maison préalablement au démontage du mur ruiné. Et aussi également, donc, on a mandaté donc, le SMBVT, le syndicat mixte du bassin versant de la Touque, afin d'être assisté dans le cadre de cette intervention. Syndicat mixte que je tiens d'ailleurs à remercier ce soir, puisqu'il nous a assisté notamment pour obtenir des financements auprès de l'Agence de l'eau. Et vous verrez donc dans le détail de cette délibération, dans les pièces complémentaires, que l'Agence de l'eau accepte d'intervenir pour 80% sur les travaux à réaliser. Les travaux donc, qui concernent à la fois la démolition de l'habitation, mais également la réalisation d'une berge naturelle, puisque l'idée de l'intervention, c'est de restaurer ici une berge naturelle qui permettra un meilleur écoulement du cours d'eau et évitera effectivement des problèmes d'inondation dans ce secteur. Le montant de l'opération était estimé à la somme de 225 000 euros TTC hors frais d'acquisition de la maison. Donc, comme je l'ai indiqué, grâce au SMBVT, on a pu obtenir de l'Agence de l'eau un financement à hauteur de 80%, soit pour un montant de 162 543 euros. Reste la question donc, de l'acquisition de l'habitation. On avait une évaluation des services des domaines pour un montant de 92 000 euros avec une marge de plus ou moins 20%. La propriétaire a fait une offre d'un montant de 130 000 euros net vendeur. Après donc, discussion et négociation, notamment avec l'assureur de Mme Alexandre, la ville a décidé de proposer une acquisition à hauteur de 110 000 euros, sachant que l'assureur de Mme Alexandre, la GMF, devait participer à hauteur de 90 000 euros pour l'acquisition et également pour le financement des travaux pour un montant qui était alors estimé à 54 580 euros hors taxes. Un montant qui pouvait être évalué notamment du fait de l'allocation des butons et du désamiantage, puisqu'effectivement il est apparu lorsqu'on a fait des analyses, en tout cas sur la maison à démolir, qu'il y avait un désamiantage à réaliser, ce qui est le cas actuellement, puisque les travaux ont été entrepris depuis aujourd'hui, le 14 au 18, on a une période de désamiantage qui est prévue, qui va suivre à compter du 20 décembre jusqu'au 22 décembre par la démolition de la maison. Et après, les travaux reprendront au mois de janvier avec la démolition du mur et la réalisation de la berge naturelle qui va être réalisée en lien, donc je l'ai dit, avec le SMBVT, puisqu'il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous est accordée par le SMBVT gracieusement pour cette intervention. Donc on vous propose ce soir de procéder d'autoriser l'acquisition de cette habitation afin de pouvoir réaliser donc les travaux nécessaires et à solliciter les subventions auprès de l'Agence de l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-René. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Alors on va continuer. Alors, considérant donc la nécessité donc, d'intervenir rapidement pour mettre fin aux risques et désordres provoqués par l'effondrement partiel du mur de soutènement de la propriété, adopte le rapport donc ci-dessus, décide d'acquérir le bien situé 12 rue du Héron, parcelle cadastrée section AB numéro 3, sous réserve d'un accord amiable sur le prix d'acquisition avec la propriétaire à 110 000 euros. Mandate Monsieur le maire pour arrêter le prix définitif d'acquisition avec Madame Alexandre et l'assurance de Madame Alexandre. Autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et au marché public à signer tous actes et pièces avec Madame Alexandre ou toute personne physique ou morale qu'il leur plaira de se substituer. Précise que l'étude notariale SCP Chancé sera chargée de l'établissement de l'acte. Les frais d'acte seront à la charge du vendeur. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits à la décision modificative du budget primitif 2020.
sollicite la subvention la plus élevée de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, autorise la signature de la convention de financement s'y annexée avec cet organisme et autorise monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme et au marché public à signer un protocole et tout document se rapportant à cette affaire avec l'assurance GMF et madame Alexandre pour résoudre cette affaire. Merci Jean-René. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Madame Mangeant, pour une dotation de soutien à l'investissement public local, demande de concours financier de l'État pour l'adaptabilité des lieux de restauration Hauteville. Donc c'est une demande de DECIL. Bonsoir à tous. Donc, auparavant, les élèves des trois écoles de Lisieux qui sont situées sur le quartier d'Hauteville se restauraient la cuisine centrale face à la pandémie liée à la Covid. Et afin de limiter les brassages inter-écoles pour réduire le risque de contamination, il convenait d'implanter deux restaurants scolaires dans ces écoles, l'un à l'école Jules Verne, l'autre à l'école Saint-Exupéry, l'école Jean Boulin continuant à se restaurer sur la cuisine centrale. Ce projet répond par ailleurs à un second objectif, celui qui est de favoriser le rythme de la journée des enfants. On leur permet pour ces deux écoles de ne plus prendre les transports en commun et ainsi d'être plus disponibles en fait sur leur temps de restauration. Donc, le coût total du projet est estimé à 50 099,76 euros TTC, sur des composants de matériel de restauration, de préfabriqué, de portillons et clôtures et revêtements chemin d'accès. Donc, il s'agit de demander un concours financier à l'État à hauteur de 49,9% pour permettre de couvrir pour partie l'aménagement de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Havard. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Ma question va se poser sur Jules Verne notamment. Est-ce qu'il ne serait pas possible de réfléchir à construire un restaurant scolaire sur la bande d'espace vert entre l'école et la rue Roger-Hény? Il y a initialement un projet de logement, mais pourquoi ne pas réfléchir à cette question de mettre un restaurant scolaire ici, d'autant que ça serait profitable à l'école, plus peut-être que des préfabriqués ou... peut se poser la question de rogner du coup sur la cour de l'école. Mais oui. Je pense que vous êtes déjà, cette question vous a peut-être déjà été posée. On se la pose nous aussi. Merci Madame Havard. La solution qui vous est proposée, elle est prise dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie Covid. Donc s'il fallait qu'on soit réactif, il fallait qu'on soit très réactif, on l'a été. De plus, on sait aussi que tous les enfants de Jules Verne, de Saint-Ex se déplacent à pied ou se déplaçaient à pied pour aller se restaurer à la cuisine centrale et par tous les temps. Et bon, ce n'était pas très vivable pour eux. En plus, on leur demandait de rester un certain temps assis à leur place dans la cuisine centrale. Ça devenait très très inconfortable pour ceux qui y allaient à pied, ils prenaient une averse en allant, une averse en remontant. Voilà, donc dès le mois de juillet, Karine Lanier, Cindy Mangeant et moi-même avons fait le choix d'exploser les lieux de restauration et les services ont été très très réactifs. Donc on répond non seulement aux demandes de mesures sanitaires et d'éviter le brassage des enfants, mais aussi à un confort qui est plus important. Et les tout-petits se déplacent aussi et n'ont plus à se déplacer et vont plus vite à la sieste. Pour ce qui est du restaurant scolaire de Jules Verne, c'est une bonne idée. On réfléchit à un autre lieu parce qu'on a aussi une obligation de reconstitution de l'offre de logements sur Hauteville, et supprimer quelques logements, c'est parfois un casse-tête, et je regarde Jean-René Desmonds d'aller en retrouver ailleurs sur du foncier qui n'est pas forcément disponible. Donc on regarde effectivement, on a vu la directrice de l'école, on a vu nos collaborateurs, et on regarde peut-être s'il n'y a pas un peu de foncier en décalage, peut-être plus là où l'immeuble avec le porche va être abattu. Mais en tout cas, c'est une question qu'on se pose et l'Algeco est transitoire. Il va rester peut-être quelques années parce que le temps que les choses se construisent. Mais en attendant, nos enfants sont à l'abri, mangent au chaud et ne sont plus brassés. Voilà, j'espère avoir été assez complet dans ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc,
Donc, vu les attendus, considérant la nécessité d'adapter les lieux de restauration afin de limiter le brassage inter-école en vue de réduire le risque de contamination au coronavirus, approuve le plan de financement prévisionnel tel que repris ci-dessus, sollicite l'aide financière de l'État, notamment au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour l'année 2021, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l'exercice 2021, autorise Monsieur le maire à solliciter les subventions proposées dans le cadre de la DECIL au taux le plus élevé et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci Madame Mangeant. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Madame Mangeant, pour une subvention allouée par la CAF. Durant la période de confinement, les accueils de loisirs ont dû réduire leur activité. Elle a repris depuis, mais on a beaucoup plus faible. Donc la CAF a continué à maintenir pendant cette période les recettes habituelles. Mais par contre, il y a une participation des familles qui est absente. Depuis la réouverture, la fréquentation est en baisse. Donc le conseil d'administration de la CAF du Calvados a décidé d'attribuer une aide exceptionnelle aux accueils collectifs de mineurs et d'accueil de jeunes du département afin de soutenir les collectivités. Donc ils allouent aux partenaires une subvention d'aide exceptionnelle locale de 27 403,50 € dans le cas de son soutien et accompagnement dans le cadre de la crise Covid. La présente convention est conclue pour une durée d'un an pour une période courante du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Des questions? Pas de questions, on continue. Vu les attendus, approuve la signature d'une convention d'attribution d'une aide exceptionnelle locale avec la Caisse d'allocation familiale du Calvados extraordinaire, périscolaire et accueil adolescent. Autorise Monsieur le maire à signer la dite convention, ses éventuels avenants et les pièces se rapportant au dit dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Johnny Briard, pour le rapport du syndicat départemental d'énergie du Calvados, rapport annuel d'activité 2019, le SDEC. Oui, monsieur le maire, donc c'est pour le rapport effectivement du SDEC pour l'année 2019. La ville de Lisieux a confié au SDEC la gestion de l'électricité et de la mobilité durable. Le SDEC est l'autorité organisatrice du service public de l'électricité dans le Calvados. À ce titre, il contrôle notamment la bonne application du cahier des charges de concession conclu en 1992 pour 25 ans avec Inedis pour la distribution et EDF pour la fourniture. Après 4 ans de négociations, le SDEC, Inedis et EDF ont signé le 29 juin 2018 un nouveau contrat de concession pour 30 ans. Au service de toutes les communes du Calvados et de ses habitants. Le SDEC est propriétaire de l'ensemble des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité et il assure la maîtrise d'ouvrages partagés des investissements sur le réseau. Il assure également une mission de contrôle des concessionnaires et un rôle de conseil auprès des communes desservies. La mission de suivi de la concession est concrétisée chaque année par l'édition d'un rapport de l'autorité concédante qui le transmet à l'ensemble des collectivités membres du syndicat. En vertu de l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, ce document doit être présenté en conseil municipal. Document qui vous est joint. Merci Johnny. En annexe. Merci Johnny. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on continue. Ben, on prend simplement acte, hein, on ne vote pas, monsieur le maire. Oui, je sais, mais... Tu ne veux pas aller jusqu'au bout. Alors nous prenons acte. Nous prenons acte du rapport annuel du syndicat départemental d'énergie du Calvados pour l'année 2019, dont un résumé est joint en annexe. Frédéric Ménil, pour le rapport annuel sur la délégation de services publics de production et de distribution d'énergie calorifique du quartier de Hauteville pour l'année 2019. Bonsoir à tous. Le présent rapport analyse les résultats techniques et économiques pour l'année 2019. Des installations de production et de distribution de chaleur assurant le chauffage et l'eau chaude sanitaire du quartier de Hauteville-Lisieux. Depuis le 1er juillet 2007, les installations sont exploitées par la société Dalkia dans le cadre d'une délégation au service public dont l'échéance est le 30 juin 2031. Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire est tenu de présenter à l'autorité concédante un compte-rendu de l'activité pour l'année écoulée. En vertu de l'article L.
1411-13 du Code général des collectivités territoriales, ce document doit être mis à disposition du public et présenté au conseil municipal pour qu'il en prenne acte. Le document est joint en annexe. Merci. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc nous prenons acte de ce rapport. Je passe la parole à Antoine pour le gaz. La distribution du public de gaz naturel sur la commune de Lisieux s'effectue dans le cadre d'un contrat de concession signé avec Gaz de France. Il a été renouvelé en dernier lieu le 7 février 1997 pour 25 ans. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les activités de distribution du gaz naturel en France du groupe GDF Suez ont été filialisées au sein de la société Gaz Réseau Distribution France le 31 décembre 2007. GRDF a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations en matière de desserte de gaz naturel sur le territoire français, notamment les contrats de concession pour la distribution publique de gaz naturel des communes. Conformément à l'article 32 du cahier des charges, le concessionnaire est tenu de présenter à l'autorité concédante un compte-rendu d'activité pour l'année écoulée. Conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport doit être remis avant le 1er juin de chaque année. En vertu de l'article L1411-13 du Code général des collectivités territoriales, ce document doit être mis à la disposition du public et présenté au conseil municipal pour qu'il en prenne acte. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc nous prenons acte. Notre conseil municipal s'achève. Vous avez le compte-rendu des décisions du maire en annexe. Elles sont au nombre de 34. Pour conclure, je vous rappelle rapidement les prochains rendez-vous. Depuis le 27 novembre, Mosaïque propose des concerts en direct sur nos réseaux. Le prochain concert, et pour faire vivre la culture, aura lieu jeudi soir avec la chanteuse Just Alone. Vendredi 18 décembre, dès 19h, vous pourrez découvrir le groupe Canet Bafang en live sur la page Facebook de la ville. Du côté des festivités de Noël, je vous rappelle que celles-ci se poursuivront avec le marché de Noël de Hauteville. Je vous donne rendez-vous samedi à 11h pour inaugurer ensemble cette première édition. Le marché ouvrira vers 10h et se tiendra jusqu'à dimanche soir. Enfin, veuillez noter que les prochains conseils municipaux se dérouleront le 8 février, le 8 mars, le 12 avril et le 28 juin. Donc, prochain conseil municipal le 8 février. Et le suivant sera le 8 mars et vous serez destinataire évidemment de toutes ces dates liées avec les commissions qui les accompagnent. Voilà, quelques secondes encore pour vous dire que je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année malgré la crise sanitaire qui nous accompagne encore un petit peu trop longtemps à mon goût. Profitez bien de vos proches avec parcimonie et avec un masque si nécessaire. Et j'aurai plaisir à vous retrouver l'année prochaine. Voilà, nous prenons congé de nos amis Facebook en live et je vous garde juste une minute pour une annonce. Merci, au revoir, à bientôt. La régie, c'est...